bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un petit relooking de meubles chinés, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Alors dans un premier temps, après avoir nettoyé donc le meuble, j'utilise de la cire antiquaire chêne moyen, donc je vais tirer l'intégralité du meuble, même s'il y a des espaces que je vais peindre, comme ça c'est plus simple pour moi, donc voilà, je cire l'extérieur, l'intérieur du meuble. Donc après je divise le meuble en trois parties. Donc la partie du haut sera peinte intégralement en blanc, l'extérieur, hein, l'extérieur du meuble, et l'intérieur je laisse une planche couleur bois. Et ensuite je vais venir peindre le bas du meuble couleur or. Donc ensuite, dès que la peinture est terminée, donc je m'attaque au côté un peu plus technique. Donc là je vais utiliser des tasseaux et des petites tiges de bambou pour décorer le contour en fait du meuble. J'aime beaucoup le style un peu graphique des meubles qu'on peut trouver un peu aujourd'hui, un peu design. Donc voilà, donc pour le devant du meuble, j'ai décidé de percer mes petits tasseaux pour enquiller mes tiges de bambou. Au début je voulais les coller, mais je me suis dit que ça, je sais pas, j'avais peur que ça tienne pas dans le temps. Donc voilà, donc j'ai décidé en fait de faire des trous et ensuite de mettre de la colle à bois. Ça, je suis certaine que ça bougera pas. Donc voilà, je fais ça en haut, en décalé en fait, la petite case du haut et celle du bas. Donc ensuite, je décide de cirer également les petits tasseaux et les petites tiges de bambou, mais une teinte un peu plus légère. J'aime bien jouer sur les nuances de bois. Je trouve ça canon. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, donc en fait je décide de clouer chaque tasseau voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc après que j'ai cloué donc mes tasseaux et que j'ai pris mes mesures pour mes tiges de bambou, donc bien évidemment je les ai découpées à la bonne dimension et je viens les coller avec de la colle à bois, donc chaque tige de bambou à 1,5 cm plus ou moins. Sachant que je les ai trouvées sur Amazon, de toute façon on trouve tout sur Amazon, vous avez plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs, moi je pense c'est du 5, hein, oui je dis pas de bêtises, donc du 5 mm. Donc dès que j'ai terminé les côtés, je finis en fait l'intérieur du meuble. Donc je prends des tasseaux également. Cette fois, je vais les coller avec de la colle à bois. Je vais pas les clouer, c'est un peu compliqué. Et voilà, et de la même manière que pour les côtés, je vais mettre mes petits tiges de bambou au milieu. Sachant que j'aurais pu faire ça avant, c'était un peu plus galère parce qu'il y avait les tiges devant. Mais c'est parce que le meuble a évolué. Au début, je n'avais pas l'intention de mettre dans le fond, mais je voulais faire un petit rappel. Donc j'aime bien en fait, je me laisse un peu guider par ma créativité. Donc voilà. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains projets et m'encourager également. Voilà, ça donnera un petit coup de pouce pour la suite. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.